Bonjour, je suis Jos Anders, je suis musicien et je fabrique des instruments. Et je suis percussionniste en fait. Je connais Indigo via les retournées générales, un tournée ici à la Louvière. On a participé avec un groupe qui s'appelle Brital. On a rencontré Indigo et après on a travaillé ensemble et nous sommes commencés à faire des projets ensemble. Avec Metix à Bruxelles, de Batterie à Louvain et Indigo à la Louvière. Un projet autour de la percussion. Nous avons joué ensemble, premier sur la parade Zinnike et après sur la journée de la Terre. On a fait décrocher la Lune à la Louvière et au Drumfest à Louvain. On a beaucoup d'envies encore pour l'avenir et on va travailler à Dendermonde, c'est une ville en Flandre. On va jouer avec Indigo et les jeunes de Dendermonde et va probablement participer au parade Zinnike 2024. Le plus beau souvenir, c'est leur enthousiasme pendant les répètes et les concerts. Ils ont une énergie super chaleureuse et fantastique. Alors, c'est quoi Drum par rapport à le Move? Ben, Drum, c'est un petit peu comme un grand frère, comme un cousin, des potes. Enfin voilà, on a commencé à travailler avec eux l'année passée, donc en 2022. On va faire plusieurs événements, plusieurs sorties. Voilà, l'idée, c'est un petit peu comme des grands frères flamands avec qui on travaille. Et de temps en temps, on se rejoint pour pouvoir faire des trucs ensemble. Donc pour rejoindre Move, c'est toute l'année, évidemment. C'est n'importe quand. Mais c'est plus facile si vous venez par les stages qu'on organise à Studio de Bracny. Il y a de tout. Il y a de la guitare, de la basse, du chant. Et il y a aussi des percussions. Et là, c'est vraiment plus spécifique. Mais donc, vous êtes les bienvenus. Prochaine sortie avec le Move de rue, donc on a le Oudé Festival le 26 août. On a une sortie avec Drum dans le courant du mois de janvier. Ils ont mis en place différents événements, bah, ça s'est étendu et finalement il y a eu la création du Move de rue. Et c'est comme ça bah, qu'au final on en est arrivé ici quoi. Ah oui, et d'ailleurs on a aussi deux voyages qui sont prévus. Donc le premier ce serait en Tchéquie, une petite semaine justement pour jouer de la percussion dans un autre pays et faire une collaboration peut-être avec une maison de jeunes d'ailleurs. Et on aurait une autre sortie en collaboration avec la ville qui serait d'aller en Sicile, puisque la ville de la Louvière est en collaboration avec une ville de Sicile, ce qui serait pas mal, je trouve. Voilà.